Utilisez ce rembouche-fémation deux fois par semaine pour éliminer définitivement le tartre et la pellagre et améliorer la santé buccale dentaire. Le premier ingrédient de cette recette est le vinaigre de sirop de pomme. Ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre de sirop de pomme à une tasse. Vous pourriez être surpris, mais cet ingrédient s'est avéré très efficace pour éliminer le tartre et la plaque dentaire et blanchir les dents. C'est grâce à l'acide acétique, aux probiotiques et aux enzymes présents dans le vinaigre de sirop de pomme. De plus, le vinaigre de sirop de pomme aide à améliorer la santé bucco-dentaire en éliminant les bactéries nocives et en favorisant la croissance des bactéries bénéfiques. En outre, le vinaigre de sirop de pomme aide également à tuer les bactéries dans la bouche qui peuvent causer la mauvaise haleine ou la carie dentaire. Le deuxième ingrédient est le sel granulé. Ajoutez une cuillère à soupe de sel granulé dans la tasse. Le sel peut éliminer rapidement la plaque et d'autres résidus sur les dents car elle est légèrement abrasive. Il peut réduire la teneur en acide dans la bouche et équilibrer le pH naturel, prévenant ainsi la carie dentaire. Ses propriétés anti-inflammatoires peuvent également aider à soulager les maux de dents et les gencives enflées, qui sont toutes deux causées par une inflammation. De plus, la sel contient également beaucoup de minéraux précieux. Ces minéraux garderont vos dents fortes et vos gencives saines. Le dernier ingrédient est un citron. Coupez le citron en deux et versez un demi-citron dans la tasse. En plus d'avoir de nombreux bienfaits pour la santé, le citron est aussi un allié pour vous aider à faire face à de nombreux problèmes dentaires. Le jus de citron contient de l'acide citrique, qui est un agent de blanchiment efficace. L'acide citrique contient également des propriétés antibactériennes, qui tuent les bactéries qui causent la mauvaise haleine et rafraîchissent votre haleine. Ajoutez maintenant 100 ml d'eau pure filtrée à cette tasse. Ensuite, utilisez une cuillère pour remuer jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Votre remède est prêt à l'emploi et voici comment l'utiliser pour éliminer rapidement le tartre et la plaque. Mettez ce rembouche dans votre bouche et gargarisez-vous pendant environ 30 secondes. Ensuite, gardez-le dans votre bouche pendant 2 ou 3 minutes. Après ce temps, recrachez le tout et rincez-vous la bouche avec de l'eau. Votre bouche se sentira merveilleusement rafraîchie. N'utilisez ce bain de bouche que 2 ou 3 fois par semaine, pas plus.